Alors, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog puisque nous partons passer le week-end à San Francisco comme l'année dernière, vous avez le vlog de l'année dernière ici pour notre anniversaire parce qu'en fait hier Nico et moi avons fêté nos 16 ans de couple. Ouais, tout ça, je sais pas comment on a tenu. Et en fait on devait aller à l'aéroport de San Francisco pour faire le Global Entry. Alors si vous savez pas ce que c'est le Global Entry, comment on l'a, nanana, on fera une vidéo complète avec Nico sur ma chaîne de voyage. Je vous mets ma chaîne de voyage ici parce que clairement ça concerne le voyage. Voilà, pour ceux qui savent pas, j'ai créé une chaîne spéciale pour les voyages qui est là et qui sera en permanence dans la barre d'infos. Et donc en fait on vient de faire ça et du coup bah, c'était clairement l'occasion. Comme Lana aujourd'hui on est vendredi 1er février et Lana n'avait pas école, donc on s'est dit bah, soyons fous, comme l'année dernière, allons passer un week-end à San Francisco. Benny n'est pas avec nous cette fois-ci parce que voilà, on devait aller à l'aéroport. Et en fait, comme le temps va être absolument pourrave, oui, donc là on a les bouchons pour aller à l'hôtel, on va à l'hôtel. Bref, et que du coup, comme le temps est pourri, on va faire des activités intérieures qu'on n'a jamais fait. Et du coup, bon ben voilà, on pouvait pas prendre Buddy, donc Buddy est chez Gaël. Et voilà, donc on vous embarque. Je vous avais demandé si je devais faire cette vidéo sur cette chaîne là ou sur ma chaîne de voyage parce que bah, SF c'est du quotidien, mais c'est aussi un peu bah, pour les gens qui me regardent qui vivent pas ici, bah, c'est un peu du voyage. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire le vlog, un gros vlog là sur cette chaîne là avec l'hôtel, les repas, les restos, les nanas. Et demain pendant la grosse sortie je ferai un espèce de reportage, un vlog reportage que je mettrai sur ma chaîne de voyage. Voilà, donc en fait il y aura deux vidéos mais qui seront pas du tout pareilles. Et le passage dans ce vlog là qui concernera cette sortie là sera certainement en musique du coup. Pas que ce soit trop longué. Et bref, vous avez compris. De toute façon vous verrez. Voilà. Je sais d'ailleurs pas laquelle je vais sortir en premier, certainement l'autre. Si c'est le cas, je vous mets le lien dans le i là. Et voilà, donc là on se rend à l'hôtel qui est, donc là on est à l'aéroport qui est complètement au nord de San Francisco vers Fisherman's Wharf. Et en fait c'est le caca parce qu'on est vendredi soir et du coup il y a une heure de route. Tout ça, en fait on aura mis 10 fois plus de temps à faire sud de San Francisco, nord de San Francisco que maison San Francisco. Bref, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Et voilà, donc on vous embarque et puis je vais certainement vous retrouver à l'hôtel pour vous montrer notre jolie chambre. Alors, nous sommes au Chelsea Inn, pas loin du Fisherman's Wharf, dans ce coin-là, au nord. On est au deuxième étage, chambre 219, c'est ça? 218, 219, avant Didi. On va aller découvrir notre belle chambre. On est où? On est quel côté, Lana? On est à gauche ou on est à droite? 219, ça s'écrit 219. Oui. Alors. Elle a sorti de son chapeau. Bah dis donc, il est bisextile cet hôtel. D'accord, ok. Bon. Alors, là. Non, il n'y a pas de piscine. Alors, c'est quoi? 218 et 219. On est là. Tu veux essayer d'ouvrir? Elle est très belle la carte. Comme elle est belle la carte? Oui, j'en ai. Vas-y. À chaque fois que c'est Lana, ça marche pas. Ah, mais c'est incroyable. Hein. À chaque fois que c'est elle, ça marche pas. Oh, t'as de la chance. Ouais, pousse souvent ses doigts. Allez. Oh là là, on va mettre le chauffage. Oui, j'allume. Oh, bah dis donc, c'est spacieux pour San Francisco. Attends. Hop. Dis donc, c'est stylé. Bah, très bien. Petite baignoire pour mademoiselle Lana. Et nos deux lits. Voilà. Et ben on va être très bien. Et moi j'ai ramené même mon coussin d'allaitement. Bah oui, on est en voiture. Oh, c'est joli, j'adore les fenêtres comme ça. On n'entend pas trop la rue, ça va. J'avais peur. Ils ont un bon double vitrage, contrairement au premier hôtel où on avait dormi en 2013. Qui était une catastrophe. Il pleut, hein. Malheur. Il pleut de dingue. Bref, quelle heure il est? C'est pas. T'as faim? T'as pas faim? Un peu, si. Ah si, moi j'ai faim. Il est 18h09. Je pense qu'on va aller manger en fait. Moi j'ai perso, j'ai la dalle. Hein. Hop. T'as pas réussi. Tu te rappelles la dernière fois quand Théa elle était en train de sauter, elle a perdu sa dent parce qu'elle. Qui? Théa parce qu'elle est en train de sauter. Elle a perdu sa dent. Ah oui, après elle est tombée, elle a perdu. Mais elle a jamais perdu de dent, Théa, Lana, elle a 3 ans. Enfin, elle s'est fait mal. Ah oui, c'est peut-être fait mal. Attention, hein.
Allez. Alors, il est 18h30. Et... Chut, Gertrude, ça va pas, non? Et bref, heureusement qu'il est tôt. Il est 18h30 et nous partons équipés, manger au resto. On fait nos Américains à manger très tôt, mais on a la dalle. Et puis si on se commence à se poser à l'hôtel, on bougera plus. Et en fait, on va aller manger dans un restaurant français qui est juste à côté, qui s'appelle Castagna. Castagna. Et voilà, donc on va vous montrer. J'adore. Bon, alors, si vous avez vu ma vidéo une semaine dans mon assiette, là, je pense que là, entre ce soir, demain et peut-être pas dimanche, mais du moins aujourd'hui et demain, ça va pas être des journées bleues, hein, ni vertes, hein, enfin, vert bleu. Enfin, ça sera plutôt du orange violet, hein. Bref, c'est mon week-end, hein. Je fais pas attention. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois que c'est là-bas, Nico. Donc voilà, San Francisco, sous la flotte. Qu'est-ce que tu fais? Elle tient plus en place, elle a pas fait de sieste. Et voilà, et en fait, cet hôtel est cool parce que voilà, il y a un parking en fait, gratuit. Gratuit. Très très dur de se garer à San Francisco, donc avoir un parking gratuit avec l'hôtel, c'est grandement appréciable. Alors voilà le resto. Castagna Provençal Bistrot. Et la carte avait l'air trop bonne et pas hyper chère pour un restaurant français. Voilà. Là on est pas mal dans le centre là. Hop, allez, on rentre au sec. Et donc on s'est fait accueillir par un monsieur qui... Qu'est-ce qu'il a le monsieur? Il parle les français le monsieur. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très très grand, enfin peut-être qu'il y a des tables là-bas d'ailleurs. Alors voici la carte. Et sachant qu'il y a des menus du jour et que moi je pense que je vais prendre le menu du jour qui est un hamburger à l'agneau avec de la tapenade et du fromage de chèvre. Qui a l'air trop bon. Voilà. Il y en a qui demandent, des mac and cheese, il n'y en a pas, c'est un restaurant français. T'es trop américaine ma fille. Il y a du filet mignon avec des frites ici. Ah ouais. Alors, le monsieur du restaurant il est super sympa et en plus il est niçois de chez nous. Il nous a servi du pain et du beurre. Il est super bon, bah voilà. Il reste plus grand chose. Il est trop bon le beurre. Il est dans le bidou de l'Anna. Ah là, il n'y a pas de problème là. Ben voilà, elle assure pas. C'était pas la peine de lui commander à manger à cet enfant. Ah, c'est pour les raquets là. Mets le doigt hein, tant que tu y es, l'Anna. Ah, merci. Alors, on a pris une assiette de charcuterie, ça ressemble à ça. C'est passé tout seul? Lana, elle a mangé du saucisson piquant et elle a rien dit. Et là-bas, les dames, elles ont du... C'est ces moments-là où je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est bien. Et les dames, là-bas, elles ont pris un pâteau de fromage qui a l'air, ma foi, super bon aussi, avec des noix et tout. Alors, voici mon burger... fromage de chèvre agneau qui m'a l'air trop bon. Et Nico a pris du filet mignon. J'aurais dû prendre ça. Je suis. Moi j'ai une quantité, je sais pas ce que je vais faire de tout ça. Hein. Je pense que tu vas m'aider, Chacha. Et Lana a déjà fini son repas qui était constitué essentiellement de frites et de saucisson. Lana, qu'est-ce que t'as demandé en dessert? Qu'est-ce que t'as commandé en dessert, Lana? La crêpe au nuit. Ça a l'air trop bon, ma chérie. Bon, alors nous sommes rentrés à l'hôtel. On a super bien mangé. Franchement, ce resto, le Castagna, ou Castagna, il n'y a même pas le. Trop bon. Genre trop bon, trop copieux. Le monsieur il nous a tapé la discute je ne sais combien de fois dans la soirée. Coucou. Enfin voilà. C'était bon le restaurant? Le Caire. Le Caire. Donc voilà, bref, on va se laver. Et on va se coucher très tôt parce que comme ça demain on profite bien. Et qu'elle elle est fatiguée de toute façon. Et que nous on a un peu crevé de notre semaine aussi. Donc voilà, on vous retrouve demain pour la suite du week-end à... San Francisco. Elle n'arrive pas à le dire, c'est marrant. San Francisco. Très bien.
Bien mieux. Bien mieux. Allez, tu dis à demain. À demain et bisous. Ciao, ciao. De belle. Allez, go. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux. Alors bonjour, je vous retrouve pour ce samedi à San Francisco. On a dormi de dingue. Alors moi j'ai remis ma polar que j'avais reçue il y a, je sais pas, 3-4 ans, bref. Qui du coup me calcule, en plus de mes pas et de mon activité physique, me calcule mon sommeil. J'ai dormi 7 heures de sommeil profond. Et je crois que j'ai dormi en tout, enfin j'ai été couchée 9 heures. Bon, donc il y a eu 2 heures de sommeil un peu agité, tout ça. On fera une spéciale dédicace à mon mari qui ronfle. Mais bref, j'ai dormi 7 heures de sommeil profond. Donc j'ai une pêche de dingue. Je vais arrêter de vous raconter ma vie. On va aller... quelle heure il est du coup? Du coup, il est 9h du matin. Enfin, 9h moins 10, moins 5. Et on va aller Starbucker juste à côté, là, à deux blocs, il y a un Starbucks. Et je vous avoue que je crois que j'ai pas mangé de petit déj Starbucks depuis la Gaspésie, je crois. Depuis la Gaspésie avec Aurore. Donc depuis juin, j'ai pas mangé ni de pain au chocolat, ni de chocolat chaud Starbucks. Moi, depuis qu'on n'est pas au Starbucks, je mange pas de popcorn. Si, tu manges des popcorns des fois. Bref, et en fait, il faut savoir que Starbucks, pour le coup, c'est très, 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 très sucré. Moi, j'avais regardé un reportage, d'ailleurs, je vous le mets là. Je sais pas s'il me reste des fiches à force de vous dire là, là, là. Ou je vous le mets dans la barre d'infos. Et ouais, en fait, bon, ils parlent de l'histoire de Starbucks. C'est un reportage qui dure une bonne heure, je crois. Bref, et en fait, ils disent dedans que c'est pour nous rendre notamment addicts, c'est très, 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 très sucré. Mais là, clairement, voilà, hein, je vous ai dit, c'est mon week-end où je m'en fous. Donc là, je rêve d'un pain au chocolat Starbucks avec un chocolat chaud Starbucks. Donc je vais prendre ça ce matin. Et après, on va revenir à l'hôtel, prendre la voiture et aller en direction de l'Exploratorium. Alors là, c'est samedi matin. Il n'y a personne dans la rue, c'est mort. Et donc il faut que 9 minutes pour aller à l'Exploratorium, ce qui est que dalle. Il fait relativement beau pour l'instant, mais il va faire normalement la tempête aujourd'hui. Donc on va vite aller à Starbucks maintenant, profiter du soleil. Et voilà. Et l'hôtel est vraiment très bien insonorisé parce qu'on n'entendait pas du tout les voitures cette nuit. On entendait juste mon mari ronfler. Bref, on y va les loulous? On y va les cucus? Worth it. Give me dinner worth it. Worth it. T'es trop mignonne. Worth it. Ticket worth it. Worth it. Et si on lavait les dents, Didi? Ouais. Regarde la rue qui monte là-bas. Regarde ça. Oh, j'aime trop cette ville. Et du coup, en fait, il pleut pas jusqu'à 15h. Donc on va pouvoir profiter, voilà. Il fait vraiment pas froid. C'est bien moi, Didi. Il y a un peu de vent, hein, comme vous entendez. Didi. Oui, Lana. Didi. T'aimes bien San Francisco, Lana? Ouais, hein, avec son petit chien. Allez, Lana. J'ai faim, moi. Je l'avais jamais vu, celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Lana veut faire une photo. Blue State. Oh, il est beau celui-là. Non, non, je pense que c'est... Regarde-moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh non. Tu fais un cœur avec tes doigts? Non. T'es trop belle, mon bébé. Attends, je vais faire une photo avec mon téléphone. Alors en fait c'est Starbucks Reserve, Nico me dit qu'apparemment c'est un style un peu plus classe de Starbucks. Je connais pas du tout, je savais même pas que ça existait. Bon, on va voir, on va essayer de pas payer 50$ le petit déj non plus. Hein, mignon. Alors voilà, je crois que c'est la première fois que je mange un Starbucks dans une tasse. Je pense que c'est ça la différence de Starbucks Reserve, c'était pas plus cher qu'ailleurs. Et en fait on peut avoir des dégustations de café ici. Et voilà, et j'en rêvais tellement, je vais me régaler. Lana, qu'as-tu pris au petit déjeuner, mon amour? Popcorn. Oh là là. Et Nico, il a pris un café avec un pain au chocolat. Et le téléphone avec son boulot, certainement, le chouchou. Enfin bref, je vais me régaler. Miam, miam, miam. Alors, nous sommes arrivés au parking qui est en face du Pier 9. Et en fait, l'exploratorium est au Pier 15 qui est juste là. Voilà.
Lana, elle est surexcitée. Il y avait plein de places de parking et on va payer, je crois que c'est 15$ la journée. Donc c'est clairement super méga. Lana, viens. Super méga pas cher pour San Francisco. Donc voilà, on va payer et on va aller à l'Exploratorium. Alors finalement, sur les conseils d'un monsieur, on s'est mis à ce parking là, qui est un parking intérieur qui est à 10 balles, la journée. Alors faut savoir que le prix des parkings change vachement en fonction des saisons, c'est à dire que là c'est 10$. J'ai jamais payé 10 balles. Moi non plus. Pour toute la journée jusqu'à 6h du soir. Et il faut savoir que quand c'est l'été, en fait, les prix augmentent. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs panneaux derrière, donc voilà. Allez, je suis trop contente parce que ça fait très longtemps que je veux le faire et que je ne l'ai pas fait. Donc je suis très heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui. Mais en fait, il y a là, c'est immense. Trop fort. On y va ? Ça fait 6 heures qu'on était à l'Exploratorium. On est resté 6 heures. Le mec il nous avait dit il y a 2-3 heures de visite. Sauf qu'en fait on a tellement kiffé. Lana s'est tellement arrêtée sur tous les trucs. Nico aussi, moi aussi. Enfin bref. On a tellement adoré qu'on est resté 6 heures dedans. Donc voilà, il est temps de partir. On n'a même pas tout fait. On n'a pas fait l'expo extérieur. On n'a pas fait tous les recoins et tout. Parce que franchement, sinon je crois qu'on restait juste. En même temps, ça ferme dans 3 quarts d'heure. Hein. Ça ferme à 5 heures. Donc je vous reprends, donc voilà, si vous voulez voir le vlog complet sur l'Exploratorium, il sera sur ma chaîne de voyage, je vous mets le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Là, on a donc repris la voiture, on se dirige en direction du centre pour aller à Decathlon parce qu'il faut que je me prenne un pantalon de ski parce que j'en ai absolument pas et que on va au ski dans 15 jours, donc j'en ai besoin d'un et en fait dans les magasins américains ça coûte une fortune. Donc du coup ça m'a fait tilt Decathlon, donc il faut savoir qu'il y a pour l'instant il n'y a qu'un seul Decathlon en Californie, je me demande même si c'est pas aux États-Unis. Je sais pas, bref, en tout cas dans mon périmètre à moi il n'y a que à San Francisco qu'il y en a. Donc voilà, on va là-bas voir s'il y a des pantalons de ski qui seront certainement beaucoup moins chers qu'à Sport Basement qui est le magasin que j'ai fait hier, où ils sont entre 200 et 500 dollars le pantalon, donc non merci. Donc voilà, on en a que pour 10 minutes de route, on est vraiment pas loin. Et puis voilà, on vous retrouve à Decathlon. Alors voilà, on est sur Market Street, commence à pleuvioter un petit coup.
C'est la rue la plus busy de San Francisco. Et Decathlon est juste là. On voit le bleu. Et vous allez voir, il est absolument minuscule. Ça n'a rien à voir avec un Decathlon français. En même temps, vu le prix du loyer ici, j'imagine déjà pas combien ils payent pour juste ça. Donc si ça devait être immense. Donc il n'y a pas de rayon enfant non plus, il n'y a rien pour les enfants. Mais normalement, il y a des trucs de ski pour adultes. Donc voilà, on va aller regarder. Decathlon, à fond la forme. Ah oui, oui, bah déjà la vitrine c'est la tenue. Donc voilà le restaurant. Le magasin il fait que ça, de là au fond. Et le rayon neige, je suis dégue, il n'y a que des très grandes tailles. Plus de ma taille du tout, je suis dégoûtée. J'ai quand même trouvé un pantalon que je vais essayer, mais ah, il y a encore des trucs là, je vais regarder. Bon bah j'ai réussi à trouver au final. Voilà, pantalon qui va avec la veste que j'ai trouvée. Dedans il y a ça et tout là, c'est trop bien. Voilà. Voilà, je suis équipée, je peux aller au ski, je suis contente. J'ai bien fait de venir. Je crois que le pantalon c'était le dernier S de toutes les couleurs. Et celui-là c'est pareil. Donc c'est du S, tout est du S. Et voilà. Et j'ai trouvé aussi une paire de gants parce que les mains étaient tout pourries. Donc voilà, je suis contente. À pouvoir aller au ski. Oui, j'ai vu les chihuahuas. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il y a les sacs pas chers là. Sacs à 3$. Moi et toutes mes copines on les a. Ça, du coup, bah, c'est ce que j'ai pris. Ça, c'est la nage, chaussures d'escalade. C'est là que j'achète le matos de squash de Nico. Et c'est tout, en fait. Vous voyez, là-bas, c'est la fin du magasin. Là, il y a les trucs de piscine. C'est là que j'avais acheté les lunettes, les skates. Enfin, voilà, il n'y a rien du tout pour les enfants. Rien. Voilà, et l'entrée là-bas. Vous voyez, c'est minuscule. Mais je m'en fous, je trouvais ce que je voulais. Peut-être que je regarde les pantalons de sport aussi un jour. Voilà, c'est là que j'avais acheté. T'as vu Nico, c'est là aussi les trucs de sport. Tu veux regarder pour le squash, hein. Quand on dit que les routes à San Francisco elles montent, c'est pas une blague, hein. Surtout là quand c'est des mini bouchons. Perso, je suis contente qu'on ait pas le van là. En plus, il pleut, c'est mouillé. Bah, décolle pas trop quand même, parce que ça monte sec, hein. Waouh, je sais pas si, ouais, on se rend pas compte, mais voilà. Ça c'est la maison et voilà, ça c'est le niveau de pente. Même le parc-mètre il est penché. Le parc-mètre, bah oui, oui, ils ont penché le parc-mètre du coup. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. C'est vrai. Bon alors, il est 20h-20. On s'était posé à la chambre là parce que voilà, j'étais posé à la chambre, on n'était pas resté dehors, il y a quand même pas mal de vent et tout. Enfin bref, j'étais posé à la chambre, Anna a pris son bain. Et là, on part dîner avec un collègue de boulot de Nico qui vit à San Francisco. Donc, je ne vais pas forcément filmer ça. Peut-être que je vous filmerai juste nos plats et le resto. Mais je ne vais pas vous filmer les collègues de boulot de Nico. Voilà. Parti. C'est parti, mon kiki. Il pleut, non il pleut pas. Ah oui, Lana, c'est de ce côté. Il pleut pas, hein. Il pleut pas tant que ça au final. Hein. Mon Dieu, elle est toute nue, la dame. Oh, elle me donne froid. Alors voilà, on revient à l'hôtel après notre dîner qui était super chouette. Qui était fatiguée. Ouais, elle est fatiguée, Lana. Ils étaient gentils, les copains de papa. Oui. North Beach Restaurant, c'était très bon, je pense que tu vas donner. Hein. Moi j'ai mangé de la glace à la vanille. Donc voilà, on va se mettre en pige. Lana est déjà lavée, moi je vais prendre une douche. Plein de trucs aujourd'hui, les gummies verts et la glace. Ah ouais, c'est pas trop. Il y a plein de manger, plein de cochonneries. Et ce matin, popcorn au petit-déj. Ouais, super. Là, et hot dog à midi. Et pâte au beurre ce soir. Bref, on va dire que c'est le week-end. Hein. Ça t'a plu, Exploratorium et tout ça? Oui. C'était une bonne journée à San Francisco. Oui. Nico aussi, ça lui a bien plu, l'Exploratorium. En tant qu'ingénieur, ça lui a plu. Oui. On a vu ta culotte. Bref, on va se coucher. Demain, programme flou. Vu qu'il pleut, je sais pas trop ce qu'on va faire. On verra. Soit on reste Allez un au peu. Bah oui, mais il pleut, Nini. Soit on reste un peu à San Francisco encore, soit on rentre. Je sais pas. Je vous tiendrai au courant demain. On va dormir, on est mort. J'ai pas envie de rentrer. On verra. Ou peut-être qu'on fera. Je sais pas. On verra. Je vous tiens au courant demain. On vous laisse pour aujourd'hui et on vous dit à demain. Et ciao, ciao. Alors, je vous retrouve le lendemain. Il est 9h30 du matin. On s'est réveillé à 8h30. On a super bien dormi.
Bon, après, on s'était couché quand même super tard. Donc là, nous allons. On est en train en fait de paquer toutes nos affaires là, parce qu'on va. On va partir de l'hôtel. Et on va aller prendre le petit déj au même Starbucks qu'hier. Tout pareil, parce que. Voilà. Et après, on sait pas. Il faut qu'on soit en milieu d'après-midi du côté de chez nous. Donc on a largement le temps d'aller se promener et tout ça. Après, on va aller au parc. Ouais, Lana, elle va aller à un parc, mais il a quand même plu toute la journée d'hier. Donc le parc moyen. Mais bref. Au pire, je vais pas sur le toboggan. On va voir. On va aller se promener dans tous les cas parce que finalement, il ne pleut pas. Il fait gris, mais il ne pleut pas aujourd'hui. Donc on va aller se balader. Mais on ne sait pas encore dans quel coin. Je pense qu'on regardera tranquillement quand on sera posé chez Starbucks. Donc voilà, là on pack tout et on va donner certainement les valises au concierge parce qu'on va aller au Starbucks à pied. Et voilà, et on vous retrouve pour vous dire ce qu'on fait. Oh, je suis désolée, j'ai complètement oublié de filmer. Bref, pain chocolat, Lana pareil, elle avait aussi mangé une crêpe, j'avais ramené une crêpe. Bref. Du coup, il a déjà mangé son truc aussi, il allait prendre un café du Brésil et du coup, Lana a choisi cette place. Depuis tout à l'heure, bon là évidemment quand je filme il n'y a personne, mais depuis tout à l'heure il y a des gens qui passent en fait, avec des chiens, des enfants. Du coup c'est marrant, on regarde les gens vivent quoi. Donc voilà, on est posé, on prend notre petit déj. On va les petits chiens, c'est surtout pour ça qu'elle a choisi cette place. Et après on ira se balader. Au parc. Dans la verdure, oui. Et comme on est dans un Starbucks réserve, Nico il goûte ça. C'est un café spécial. Il va nous dire si c'est bon. Dégustation. Il est bien noir, hein, c'est dingue comme il est noir. On pense à ceux qui sont au Brésil. On pense à ceux qui sont au Brésil. Parce que les parents de Nico et le petit frère de Nico, ils sont au Brésil pour un mariage en ce moment. Oui, on a vu un petit chien. Il a un goût particulier. Et alors, c'est bon ou... C'est bon. C'est bon. Et voilà. Elle est très belle la carte. Elle me plaît beaucoup. Allez, c'est parti pour une petite balade digestive. C'est parti. Vous savez pourquoi Nico voulait acheter du pain au marché? Donc le resto français nous a donné un petit peu de tapenade maison, genre la vraie, pas quand on va aux US et qu'ils donnent ça où c'est mixé avec des poivrons et d'autres trucs. Ah non, blerc, surtout pas de poivrons. Là c'est de la vraie, ça c'est de la vraie de chez nous quoi. Donc normalement, avec une petite baguettasse, plutôt bien fraîche, on trempouille, on attrape un petit peu le tapenade. Mais par contre on évite de tout manger en une fois parce que Bibi elle aimerait bien en manger aussi. Alors? Ça a un goût de trop peu. Ouais, non, mais calme-toi, Gertrand. Il va tout me bouffer, je vais même pas pouvoir avoir un croc. Moi aussi, j'aime ça, hein. Y'a pas de poivron? La suite au prochain épisode. Alors voilà, nous venons de reprendre la voiture. Oui, alors du coup avec la pluie, je m'étais brushingée ce matin, autant vous dire que c'est mort, bref. Toi aussi tu t'es débrushingée mon chacha, ah oui. Toi ça va encore avec le gel ça. Bref, nous quittons San Francisco parce qu'en fait il commençait à bien pleuvoir. Donc bon bah, et on veut pas faire un truc
genre musée ou quoi, parce que bah, voilà, il faut qu'on soit au milieu d'après à la maison. Donc en fait on rentre, il est midi moins le quart, on a une heure de route pour rentrer à la maison. Et voilà, puis ça m'évitera de refaire des écarts niveau bouffe, parce que alors, ce week-end c'était une catastrophe. Donc voilà, c'était notre petite escapade à San Francisco de cet hiver 2019. On reviendra, on essaiera de revenir à un week-end où on est sûr qu'il fasse beau, parce qu'il y a plein d'endroits que je veux faire, mais c'est de l'extérieur, donc vaut mieux qu'il fasse beau, parce que clairement là c'est pas terrible. Donc voilà, on espère que le vlog il vous a à bien et des bis. Ciao ciao. Lève-toi Lana, attention. Lève-toi chérie. Oui. Hello. Gigi. On s'est bien amusé sur la pluie. Ah bah écoute hein. Mon bébé, mon amour, mon amour.